À l'île de la Réunion, chaque année, des dizaines de fidèles des Sapelles Malbar font le vœu, y fait promesse, de marcher sur le feu, mas dans le feu, ou de faire le tour du feu, faire le tour de feu, dans un but précis, expiation, action de grâce ou sacrifice, montrant la suprématie de l'esprit sur le corps. L'origine de la marche sur le feu, appelée aussi fête de Pandialé, se trouve dans la version tamoule du Mahabharata. L'épreuve est précédée pour les pénitents par une période d'ascèse, appelée carême, dont la durée est le plus souvent de 18 jours et pendant laquelle ils doivent se conformer à une série d'interdits, en particulier alimentaires, et vivre dans la chasteté. Ils doivent par ailleurs participer au temple et aux abords du temple, sous la direction du prêtre, depuis la cérémonie d'ouverture, pendant laquelle on leur attache au poignet un bracelet, cap, qui marque leur engagement solennel, jusqu'à la cérémonie finale de remerciement, à toutes les phases de reconstitution de l'histoire de leur déesse sous forme de théâtre religieux, bal tamoul, récits, d'histoires, jalonnés de cérémonies. Les épisodes les mieux connus sont ceux du mariage des dieux, mariage bandier, de la mort d'Alvan Katapuli, du repas de Pakatapuli. Thank you.
La marche sur le feu, Mars d'un feu, épisode majeur et spectaculaire de la fête, n'est qu'un moment d'un ensemble de cérémonies religieuses dont beaucoup de spectateurs, avides de folklore, ne perçoivent bien souvent ni l'importance ni la signification. Après 17 jours de carême, de rites et de prières, et une longue procession sur le front de mer ou dans les eaux d'une rivière, les pénitents sont prêts à affronter l'épreuve du feu en échange d'une grâce divine. Le tikkuli, ou trou de fée, la fosse devant accueillir le brasier, est creusé longtemps à l'avance. Le feu est mis à un bûcher, plusieurs tonnes de bois, qui, plusieurs heures après, sera devenu un vaste tapis de braise et de sang. Le site sacralisé, offrande, noix de coco, citron, épices, est parsemé de pétales de fleurs. Ça donne l'impression.
La marche sur le feu, Mars dans le fait, épisode majeur et spectaculaire de la fête, n'est qu'un moment d'un ensemble de cérémonies religieuses dont beaucoup de spectateurs, avides de folklore, ne perçoivent bien souvent ni l'importance ni la signification. Après 17 jours de carême, de rites et de prières, et une longue procession sur le front de mer ou dans les eaux d'une rivière, les pénitents sont prêts à affronter l'épreuve du feu en échange d'une grâce divine. Le tikkuli, ou trou de fée, la fosse devant accueillir le brasier, est creusé longtemps à l'avance. Le feu est mis à un bûcher, plusieurs tonnes de bois, qui, plusieurs heures après, sera devenu un vaste tapis de braises et de cendres. Le site sacralisé, offrande, noix de coco, citron, épices, est parsemé de pétales de fleurs. La tradition veut que le prêtre soit le premier à traverser le feu. On lui verse un seau d'eau sur la tête, puis s'approche du brasier. Après une dernière parole pieuse, il ôte son collier de fleurs et le porte à son front, ou le lève vers le ciel en signe d'adoration. Puis il le jette sur le tapis de braise. Si le rite est accompli correctement, les fleurs doivent rester intactes. Les fidèles, mains jointes devant la poitrine ou au-dessus du front, crient le nom de Govinda. Les tambours battent à tout rond. Le prêtre ouvre la cérémonie, traversant le trou de fée en s'avançant pieds nus sur la braise d'un pas calme et assuré. Les dieux regardent. Parmi eux, on ne manque pas de remarquer une imposante tête rouge, celle d'Alvan, un des fils d'Aldunin, correspondant au récit Tamou. Après son passage, le prêtre marque les pénitents au front d'une poudre rouge dite Kungon, les bénit avant qu'ils ne franchissent chacun à leur tour le champ de braise.
Les femmes, qui marchent exceptionnellement, toutes de jaune vêtues et avec des ceintures faites de feuilles de lilas, effectuent une triple circumambulation du brasier. Certaines entrent alors en transe et se comportent comme un danseur possédé en pareille circonstance. Bras raides, yeux exorbités, souffle court et puissant, danse d'avant en arrière, contorsion, cris, autoflagellation à l'aide de rameaux de lilas. Elle s'arrête aux quatre coins de la fosse pour allumer des morceaux de camphre qu'elle dépose devant chacun des bouquets plantés en terre par le prêtre lors de la consécration de la fosse. La plupart d'entre elles s'arrêtent aussi devant le bassin de lait. Ce sera là leur pénitence pour celles et ceux qu'elles accompagnent et qui traverseront les braises, parfois en portant un enfant dans leurs bras.